أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Donc je suis aujourd'hui accompagné de Abu Suleiman. Donc alhamdulillah, muhajir, entrepreneur qui vient de boucler la boucle, il vient de s'installer. Alhamdulillah, aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'il a obtenu l'Iqama, donc la résidence, le fameux stamp, tampon dans le passeport qui vous valide en tant que muhajir. Et donc voilà, Abu Suleiman, il va nous relater un peu son expérience. J'ai dû l'accompagner dans les démarches depuis la France jusqu'ici. Et là, il est actuellement sur son projet professionnel qu'il travaille, alhamdoulilah. Donc il ne va pas dévoiler son projet, mais en tout cas, il va vous parler du process. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les Émirats, c'est toujours inaccessible, impossible, trop cher, trop loin. Voilà, et en fait Abu Suleiman, c'est un exemple de la facilité, de la ni'ma qu'on a ici aux Émirats sur les démarches et les paperasses administratives. Après, bon, il y a parfois des bugs, des problèmes dans le système, parce que on est dans une phase où Dubaï et tous les Émirats ont commencé à rendre tout virtuel. Toutes les démarches virtuelles, que ce soit la création d'entreprise, que ce soit les démarches administratives, tout est devenu virtuel. On n'est plus à l'époque du dossier, du papier qu'il faut signer. On n'est plus à cette époque-là, c'est révolu. Et donc, parfois, il y a des problèmes dans le système et il faut savoir juste bien rebondir. Donc, salam alaikum Abu Suleiman, peux-tu nous faire un retour d'expérience sur cette expérience, cet accompagnement que j'ai fait avec toi, et aussi ta satisfaction aujourd'hui, alhamdulillah, par la grâce d'Allah, tu es parmi nous en tant que muhajir. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, je remercie avant tout Allah Azzawajal qui m'a permis aujourd'hui d'obtenir le fameux papier, le fameux stamp à poser sur le passeport. Alors, tout d'abord, je vais commencer par relater les différentes étapes que j'ai traversées pour y parvenir. Alors tout d'abord, nous avons lancé déjà depuis la France le Security Approval, donc qui a mis à peu près entre 7 et 10 jours, car je n'avais jamais obtenu de visa dans ce pays, si ce n'est des entrées avec le visa Schengen. Donc cette démarche consiste à faire une enquête sur la personne, s'il n'y a pas de choses particulières qui pourraient nuire en fait au bon fonctionnement dans le pays. Donc alhamdoulillah, cette étape là a été passée, et vu que j'étais déjà à l'extérieur du pays, on a pu lancer l'entrée permite, c'est à dire que c'est, comme l'indique son nom, c'est une permission d'entrée dans le pays. Donc cette étape là aussi a duré quelques jours seulement, moins d'une semaine. Et pareil, elle a été accordée et acceptée. Donc après, j'ai reçu le lien sur ma boîte mail du document que je devais imprimer, avec lequel je devais rentrer sur le territoire. Donc cette entrée permite, elle est importante, car lorsque vous arrivez à l'aéroport, il la tamponne avec la date d'entrée. Et c'est ce que vous allez fournir presque dans toutes les administrations. Voilà. Donc une fois que je suis arrivé ici, alhamdoulilah, une fois que je suis entré sur le territoire, je suis entré ici un vendredi. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc vendredi et samedi étant fermés, on a dû commencer les démarches le dimanche. Soit dit en passant,
On a commencé les démarches dimanche et mercredi tout était déjà terminé. Alhamdulillah. Donc nous nous sommes rendus au bureau central. J'ai pas tous les noms en anglais. Nous sommes rendus au bureau central qui centralise en fait tout ce qui est visite médicale, etc. Ce qui est bien, c'est que ils ont vraiment facilité les choses pour que les personnes puissent s'installer et faire leurs papiers. C'est-à-dire que vous avez un bureau qui s'appelle le Happiness Office, qui, comme l'indique son nom, il est là pour rendre les gens heureux. Parce que nous, dans nos administrations en Occident, on est rempli de formulaires à remplir, etc., etc. Là, vous avez un bureau qui vous remplit tout pour vous. Donc une fois que vous avez rempli cela, vous faites ce qu'on appelle la visite médicale. Donc moi, pour la petite information, lorsque je me suis présenté là-bas avec le frère Abou Mohamed, le système, il était down, comme ils disent. C'est-à-dire que le système avait bugué. Il y a tellement de personnes, et puis vous savez, les choses nouvelles, il faut toujours les améliorer avant qu'elles fonctionnent de manière optimale. Donc lorsque je me suis présenté le matin, aux environs de 9h avec le frère, le système, il était en bug. Donc la dame on a proposé à la dame de revenir dans une heure. Donc nous nous sommes dirigés... je sais plus où on est parti, on a fait un petit tour, on est revenu une heure après. Une heure après, le système était toujours en bug. Donc la dame nous a invités à repasser le lendemain. Donc je suis rentré à l'appartement et je me suis dit, j'ai fait 6500 km et je suis là dans l'appartement à attendre qu'un système se mette en place. Moi je pense que le système il est rétabli. Je peux pas rester comme ça à patienter. Alors que mon laps de temps est court. J'ai pris 2 semaines pour venir finaliser mes papiers. Donc dès lors, j'appelle le frère Abou Mohamed, je lui dis que ce serait bien qu'on puisse retourner là-bas après Salat al-Dhor pour qu'on puisse voir ce qu'il en est. Le frère a accepté, alhamdoulilah, il était disponible. Donc nous nous sommes rendus là-bas et figurez-vous que le système finalement il était available, il était disponible. Et bien là, et il n'y avait personne du coup dans le bureau. Et là, la facilité a commencé. Donc là, ils ont rempli tous mes formulaires. J'ai pu faire ma visite médicale le jour même sans faire de queue. Et ils m'ont même rempli mon formulaire pour le lendemain. Donc c'est-à-dire que quand je suis revenu le lendemain pour faire le fingerprint, prendre l'empreinte digitale, numériser mon empreinte digitale, mes empreintes, pardon, ben j'ai pas fait de queue parce que j'avais déjà fait remplir les formulaires la veille. Donc la facilité, elle a commencé dès le jour où je me suis présenté, où le système était soi-disant down. Et cette cause-là, la cause de la persévérance, ben en fait, a été l'élément déclencheur de toute la facilité qui a suivi. Donc je me suis présenté le lendemain, comme je vous ai dit. J'ai été photographié, ils ont pris mes empreintes, les doigts, la paume, le tranchant et la signature. Tout ça pour que ce soit confiné dans l'Emirates ID, la carte d'identité, la carte de résident. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le tampon, il y a le visa qui est mis dans le passeport et il y a aussi une carte de résident, l'Emirates ID. Celle avec laquelle on circule quand on est ici, on ne se promène pas avec le passeport. Voilà, donc ensuite, ça a été bon. L'Emirates ID a été lancé. J'ai reçu les mails, les SMS comme quoi le processus est en cours. Je devrais pas tarder à la recevoir d'ici quelques jours, Inch'Allah. J'espère rentrer avec à Paris pour aller chercher la famille, Inch'Allah. Et donc voilà, en 4 jours, avec un peu de baraka, avec beaucoup de baraka, bah, je suis parvenu à passer toutes ces étapes, alhamdoulilah. Et
Une fois que l'Emirates ID a été lancé, ben là nous sommes directement venus à la Free Zone. La Free Zone, c'est un équivalent, c'est l'équivalent en France de la pépinière d'entreprise, d'une pépinière d'entreprise. Donc nous sommes venus là et nous avons lancé la production de l'Iqama. Barakallahu fik Abou Souleymane pour toutes ces explications. Donc on voit à travers en tout cas son expérience qu'il n'a pas souffert. Ça a été en combien de temps ça, en tout et pour tout, si tu comptes tout. À partir du moment où tu étais là, il y en avait pour 4-5 jours. Oui, tout a été lancé dimanche. Et à partir de jeudi, j'étais dans l'attente. Voilà. Ça a été lancé dimanche. Lundi, j'avais fini l'ID et toutes les visites médicales, etc. Ensuite, le mardi, nous sommes venus à la Free Zone pour faire l'Iqama. Donc, en fait, depuis mardi, en fait, tout est OK pour moi. Voilà. En trois jours, voilà. Ouais. Et aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, on est dimanche et c'est aujourd'hui que tu as obtenu l'Iqama, machallah. C'est ça, ouais. Non, c'était jeudi, ce problème. Ouais, et voilà, depuis jeudi. Donc voilà, donc pour dire que la procédure, elle est vraiment facile, elle est rapide. Et ça, c'est la même chose également pour le sponsoring des familles. C'est-à-dire comment vous allez ramener votre famille, que vous aurez à sponsoriser votre épouse et vos enfants. Eh bien, ce sont les mêmes démarches, ce sont les mêmes papiers. Les enfants ne sont pas soumis à la visite médicale. Par contre, madame sera soumise à la visite médicale. C'est juste la différence entre les adultes et les enfants. Et sinon, c'est la même procédure d'obtention. Donc voilà. Et ça, c'est la seconde étape une fois que la société a été créée. Ça veut dire pour tous les entrepreneurs qui vont créer leur société aux Émirats. La création de la société, elle se fait en ligne. Vous n'êtes pas obligé d'être aux Émirats. Donc, vous pouvez tout faire en ligne, avoir votre société, commencer à travailler avec à distance. Mais dès lors que vous allez faire la demande de résidence, eh bien, il va falloir venir sur place. Et sur place, ce que vous allez faire, c'est toutes les étapes que le frère Abou Souleymane, qu'Allah le récompense, vous a relaté dans cette vidéo. Jazakumullah khairan, barakallahu fikoum. Abou Souleymane, est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs muhajiroun ou entrepreneurs ici aux Émirats? Et comment se profilent tes projets d'entreprise? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salat wa salam ala Rasulillah. Alors oui, j'aimerais donner un conseil sincère à mes frères, Inch'Allah. Tout d'abord, dans un premier temps, la NIA, très importante. Et à renouveler chaque jour. Beaucoup d'invocations, beaucoup de doigts, beaucoup dans le dernier tiers. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et je vois le résultat. J'ai fait beaucoup d'invocations. Inch'Allah, j'espère qu'elles étaient sincères. Et la persévérance. Voilà, parce que ici, des fois, on peut pas perdre espoir, mais on peut avoir beaucoup d'obstacles qui vont faire que on peut se décourager. Alors, je me souviens d'un événement. J'étais avec le frère Abou Mohamed, justement le jour où nous voulions faire le fingerprint. Donc, on savait pas que le bureau avait fermé à 13h. Donc nous, comme nous sommes présentés, il était peut-être 14h30. Donc on a demandé à des personnes, comment on peut faire pour faire le fingerprint? Et il y a une personne qui nous a dit, oh, attendez qu'il vous envoie un SMS pour venir le faire. Et le frère Abou Mohamed, il m'a fait rire, il a dit, ici, il faut demander à 4 personnes pour avoir la vraie réponse. Et Alhamdoulilah qu'on n'a pas écouté ce frère-là, parce que c'était pas ça du tout le process. On est parti dans le Happiness Office et ils nous ont dit non, vous avez le fingerprint à faire. Tenez, le typing a été fait, la saisie informatique a été faite, tenez le document. Demain, vous allez dans tel bâtiment avec tel papier et vous faites votre fingerprint, tout simplement. Donc voilà, un autre conseil, c'est vraiment vous assurer que les réponses qu'on vous donne sont les bonnes. Quitte à demander à plusieurs personnes. Voilà.
Et voilà, et comme le frère disait, venir ici avec un projet professionnel. Parce que les Émirats, c'est un bon compromis pour nous pour aller sur à la Terre Sacrée, etc. C'est un lieu stratégique. Et c'est la vie, elle n'est pas donnée. Hein. Nous ne sommes pas dans les pays du Maghreb ou en Afrique subsaharienne. Donc ici, il faut avoir quand même certaines entrées. Donc c'est bien de venir avec un projet que vous allez pouvoir porter à maturation ici directement. Voir la faisabilité, les autorisations nécessaires et la licence demandée nécessaire. Voilà le conseil que je peux donner. Avoir un projet professionnel en amont et que vous allez apporter ici pour mesurer la faisabilité. Je vous donne un exemple. Ici, s'il y a un frère qui a un chicken à Paris, il peut se dire, ouais, écoute, j'ai le savoir-faire du chicken chica, je vais venir le ramener aux Émirats. Mais il n'a pas les paramètres du pays. Il ne sait pas qui il vit, il ne sait pas comment les gens consomment. Donc ne vous accrochez pas à un projet dur comme fer, parce que ça aussi, ça peut être de la déception pour vous. Voilà. Venez avec un projet, mais laissez une part d'amélioration, une part de modification, une part d'adaptation dans cela. Parce que il y a des paramètres ici qu'on ne maîtrise pas. Les licences, les autorisations, toutes ces genres de choses-là. Et des fois, ça peut prendre beaucoup de temps pour les obtenir. Donc le mieux, c'est de garder quand même une petite entrée au départ, le temps de bien s'installer et de amener le projet à maturité. Parce que ici, il y a déjà des gros qui sont en place. Des grandes pizzerias, etc. En majorité, il y a beaucoup de personnes des pays d'Asie. Et le chicken chica, ils ne connaissent pas. Ici, pour 20 dirhams, vous avez un gros plat de riz avec de la viande. Donc, nous, on va venir ici avec un projet de chicken chica où on va vendre du pain avec de la viande pour près de 50 dirhams. Il n'y a personne qui va acheter ça. C'est un exemple. Donc voilà. Qu'Allah vous facilite. Qu'Allah vous permette de réaliser cette grande adoration. Et gardez à l'esprit que le plus important, c'est la sincérité envers Allah Azzawajal. Et le reste après, Inch'Allah, ça ira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zakumullah khairan. Qu'Allah récompense le frère et lui accorde une hijra prospère dans cette terre, Mashallah, les Émirats. Et on se dit, Inch'Allah, à une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.